Je m'appelle Colline Laminski, je suis la promo prod de l'ISCPA de 2014. J'ai fait mon stage de fin d'études ici à Killotton. Depuis, j'ai été embauchée en salariée comme assistante de prod d'abord, et puis après, au fil des projets, je suis passée productrice junior, puis productrice. Alors à Killotton, on est spécialisé surtout dans le jeu de course. Ça fait 3 années maintenant d'affilée qu'on travaille sur une licence de rallye qui s'appelle le WRC. Et c'est vraiment notre client qui nous donne un budget et un délai à respecter. Et à partir de ça, nous, on définit ce qu'on appelle un high concept, c'est le concept général du jeu. Et après, on dit, OK, ces fonctionnalités, combien de temps ça va nous prendre, quelles tâches il faut prévoir. Une fois qu'on en est là, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que tous les pôles communiquent entre eux aussi, parce que c'est vraiment un travail de coordination. Moi, sur mon projet actuel, on est un peu plus d'une cinquantaine pour développer un jeu. Ça peut aller de 6-8 mois à un an et demi, 2 ans. Là, moi, actuellement, je finis une production qui aura duré un peu moins de 2 ans et demi. Je pense qu'on va rentrer dans une dynamique dans les prochaines années de jeux à plus longue durée de vie. Les gros groupes du jeu vidéo essayent maintenant de sortir des jeux moins régulièrement, donc avec du contenu additionnel qui va être proposé aux joueurs tous les 6 mois, tous les ans, pour que en fait, les gens continuent à jouer au même jeu, pour créer des communautés, fidéliser le joueur, etc. Je pense que plus que jamais dans le jeu vidéo, si on n'aime pas jouer au jeu, on est vite perdu et on va vite être malheureux, surtout, je pense. Puis après, dans le jeu vidéo plus particulièrement, faut pas se prendre la tête. On travaille avec des gens qui ont pas tout à fait le même profil que dans le reste de l'audiovisuel, donc il faut être assez ouvert. C'est encore très très masculin. Ça nécessite au démarrage de s'affirmer et de montrer qu'on est là. Et même si on fait moitié de taille et de poids que les 50 autres dans la boîte, on va pas faire bien le boulot, quoi.